son postérieur droit, il fait un peu comme ça. Vous voyez que le centre a été leader de près de 10 ans. C'est très très vite là. Généralement, on dure une demi-journée. C'est des examens qui sont assez longs. Donc là, l'échographie, vous voyez, c'est juste, on a besoin de tondre. Donc c'est vraiment un examen qui est très bien toléré par les chevaux. Excusez-moi, mais là, il n'a pas des lésions partout, ce cheval, j'espère. Ça, c'est un cheval sans pathologie. Ça, c'est un cheval sans pathologie. D'accord, ok. Il faut savoir lire, alors. Ouais. Parce que entre ça et ça, nous, c'est on ne peut pas... C'est toute la difficulté de cette équipe, d'ailleurs. On va lui mettre des fers adaptés. Voilà, en fonction de sa pathologie. J'ai découvert l'étendue des compétences du CIRAL. Je ne savais pas qu'il y avait des instruments aussi poussés technologiquement que le scanner qui est derrière nous, une IRM, de la scintigraphie osseuse. Vraiment, c'est extraordinaire. C'est une machine qui a été installée il y a 2 ans, qui était unique en France. Là, le scanner, on est sur des examens qui sont de l'ordre de 1 000 euros. D'accord. Alors le contrôle antidopage, c'est une composante importante du bien-être animal. Au trot, pour une année, c'est à peu près 18 000 prélèvements contrôle antidopage, à l'élevage, à l'entraînement, de façon inopinée, en course bien sûr, et puis pendant les périodes de repos. Alors moi, j'ai jamais vu à grande vitesse. Moi. Ah bon, vous allez voir. Là... Vous allez voir. Alors cette jument-là, il a un problème d'épaule antérieure, ce qui est assez rare chez le trotteur, mais ça existe. On va la mettre à 40 à l'heure. Et à 10, mètres secondes. Oh putain que ça allonge là. Oui, là on voit. Oui, donc de mettre le cheval dans des situations différentes nous permet de mieux voir les asymétries. Bah, d'abord j'apprécie que le trot et le prix d'Amérique financent cette année la Fondation pour la recherche médicale dont je suis parrain depuis 15 ans. Je vais à peu près tous les mois dans les laboratoires de recherche pour en parler ensuite dans les médias. Et je retrouve évidemment des points communs ici au CIRAL.